Bienvenue à la capsule « Ton arrivée à l'école ». D'abord, il y a des amis qui vont arriver en autobus et d'autres en automobile. Nous allons commencer par te présenter comment ça va se passer pour ceux qui arrivent en voiture. Donc d'abord, ton parent est invité à prendre place dans le stationnement qui est en haut. Tu sais, celui qui est près de l'école secondaire. Pour ta sécurité, ton parent doit absolument t'accompagner jusqu'à une pastille bleue sur le trottoir où un membre du personnel de l'école t'attendra. Tu devras être patient et attendre les consignes du membre du personnel qui te dirigera vers les pastilles oranges au sol. Les pastilles oranges forment un chemin vers les portes de l'école. Elles sont à 2 mètres de distance pour assurer la distanciation sociale. Tu dois toujours t'assurer de suivre de loin tes camarades et attendre que l'ami devant toi soit rendu à la prochaine pastille avant d'avancer. Lorsque tu arriveras près des portes de l'école, un autre adulte t'attendra pour t'indiquer par quelle porte tu devras entrer. Ne t'inquiète pas, plusieurs personnes seront là pour te guider. Que ce soit pour le retour à la maison, pour le dîner à 11h15 ou bien pour la fin des classes, ton parent est encore invité à se stationner au même endroit, c'est-à-dire dans le stationnement de la polyvalente. Nous irons vous porter à 11h15 et nous invitons votre parent à venir vous déposer à 12h15. Les classes termineront à 14h50. Par contre, si tu arrives en autobus, ton conducteur te donnera le signal quand ce sera le temps de descendre. Par la suite, tu feras comme tes amis. Tu suivras les pastilles oranges jusqu'à l'entrée principale de l'école et une enseignante te guidera à savoir si tu dois rentrer par la porte principale ou la porte secondaire.